Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour un haul, comme vous avez pu le voir dans le titre, Action, Noz et Aldi. Donc c'est un haul simple, un peu pour Noël et pas trop, enfin vous verrez tout ça après. Et aussi, j'espère que ça va pas couper, mais normalement il y aura pas de partie 2. Mais je préfère vous prévenir au cas où que vous aurez une coupure d'un coup et vous disent mais what, c'est quoi ce truc? Je préfère vous prévenir parce que des fois ça peut couper. Voilà, allez, let's go pour le haul. On va commencer par Aldi et Aldi, ils sont là. J'ai pris ça, donc c'est à 1,99€. En fait, c'est des sucettes en chocolat, donc il n'y a que deux personnages. Il y a un bonhomme de neige et un Père Noël. Donc c'est de la marque Isora, sucette au chocolat au lait et fourrage lait à l'intérieur. Voilà, donc c'est juste les personnages qui changent, mais sinon c'est exactement les mêmes. Pour toute la ligne, 1,99€, ça vaut le coup. J'ai aussi pris à Aldi, attendez, des décorations autocollants en gel pour fenêtres. Donc j'ai pris des flocons, 3 flocons bleus, 3 flocons roses et 2 flocons blancs, enfin transparents comme vous voulez, pour ma grand-mère. Et ce qui est bien, c'est que je ne savais pas, j'ai dit mais j'ai pas pris eux. Parce qu'en fait, j'avais choisi eux. Ah, donc avec un Père Noël, des sapins, un renne, un bonhomme de neige, une écharpe, un flocon, enfin des flocons, un petit pompon. Et en fait, ça fait double face pour 1,99€. Donc ça vaut largement le coup pour deux faces. Donc je suis trop contente de l'avoir pris. Du coup, j'en ai pris un deuxième parce que je voulais pas prendre les flocons à la base. Et du coup, ça sera pour ma mère. Donc en fait, c'est à sapin. Vu que cette année, on compte pas mettre de sapin. Je voulais qu'on décore les fenêtres avec un sapin pour qu'on rappelle Noël, des flocons rouges, des sucres aux gorges bleues et un flocon jaune. Et derrière, il y avait un Père Noël que je vous montrerai juste après la vidéo que j'ai collé sur la fenêtre de chez mon grand-père. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Aussi pour Noël, on a acheté des trop méga trop belles bougies. Donc là, on a des rennes rouges, des flocons argentés. D'ailleurs, encore des rennes, enfin c'est les mêmes, mais trop beau à offrir ça. C'est un cadeau, mais non, ça sent trop bon bleu. C'est un cadeau merveilleux à offrir. Et en plus, ça sent trop bon. Et il est trop bien fait, le petit paquet. J'en ai acheté un, donc ça coûte encore 1,99€. Pour ceux que ça intéresse, hein, franchement, c'est super bien pour Noël. Donc on a des dorés argentés. Là, c'est un peu rose pâle, mais brillant. Voilà. Ah, la lumière, elle est chiant. Voilà. En gros, les bonnes couleurs, vous les avez en bien, donc ça c'est bien. Vous les avez en bien, donc ça c'est bien. C'est bizarre. Et le dernier paquet blanc. Donc ça aussi, c'est encore pour ma grand-mère. Donc mon grand-père, c'est du côté de ma mère. Et ma grand-mère, c'est du côté de mon père. Donc c'est pour ça, à chaque fois que je dis ma grand-mère. Hein. Du coup, voilà. Là, les bougies que j'ai prises, vu qu'elle adore le bleu et qu'il n'y avait pas bleu, bah, je vais prendre blanc. Comme ça, elle pourrait les mettre où elle veut. C'est tout pour Aldi, du coup on va passer à Noz. Let's go! Alors tout d'abord nous avons un vernis de la marque Gétitia Well XXL, donc je ne sais pas du tout la quantité, donc la qualité pardon, c'est 20 ml à 89 centimes. Donc, mince, je l'avais à l'envers je crois, ouais. Donc je ne sais pas du tout la qualité, mais j'ai pris une couleur trop belle je trouve. Donc j'espère qu'il va être bien, j'en sais rien. Aussi j'ai pris des schtroumpfs. Ça sent trop bon. Donc là, c'est les nouveaux où il y a les villages. En fait, il y a les maisons. En fait, il y a les schtroumpfs de toutes les couleurs. En fait, il y a les schtroumpfs de toutes les couleurs. Jaune, blanc, rouge. Et avec, il y a les maisons. Trop, trop belles. En fait, là, c'est orange. Et après, là, c'est rouge. C'est trop bien fait. Je trouve ça trop mignon de mettre les maisons avec. Ça, c'est trop, trop bien. Et en plus, les maisons sont trop bonnes. 3,90€, mais bon, ça normalement ça coûte 5€. Hein. Après, j'ai pris ça, enfin, mon frère a pris, c'est un lot de 3, donc c'est pas pour moi, c'est juste, je voulais me montrer, pour, vu que les fêtes de Noël arrivent bientôt, pour l'apéro, bah voilà, il y en a 3 pour 1,90€, ça vaut largement le coup, au lieu de un paquet à 1,90€, vous avez 3 paquets à 1,90€, donc je vais pas passer 2 heures là-dessus, c'est des Belin Monaco, très très bon fromage. Je sais pas, vous avez marqué un peu, mais j'ai un peu le nez enrhumé, donc je m'en excuse. Et la dernière chose à Noz, c'est des Haribo Dragibus, donc qui sont croquants et moelleux. Donc, en fait, c'est les nouveaux. Je vais essayer de vous en montrer un. En plus, vous savez, il y a l'ouverture comme ceci, c'est trop pratique. Voilà par exemple un verre.
En fait, c'est tout dur, mais tout dur. En fait, ça a le goût de dragibus, mais un truc croquant en plus. Pardon, sinon c'est des dragibus. Comment vous dire que ce paquet coûte que 55 centimes, donc ça vaut largement le coup. J'ai envie d'en prendre deux. Ils sont bons jusqu'au mois de décembre, mais c'est trop bon. On a fini pour nos, donc on va passer à action. Pour la chose que j'ai achetée la plus basique, c'est des souris, on appelle ça, mais bon, plus correctement, des rouleaux ruban corrects pour corriger des fautes ou des choses quand on ne veut pas écrire ce mot-là. Parce que je n'avais presque plus, et du coup, je me suis dit, je vais en acheter un à 79 centimes les deux. Après, nous avons de la marque Natura des bâtonnets aux légumes. Donc, j'en ai pris deux, mais le premier paquet, vu qu'il y en a deux à l'intérieur, et ben, je l'ai donné aux trois loulous, ceux qui sont ensemble, et puis à la Speed qui est toute seule. Et les trois loulous, ils les adorent. Et la Speed aussi. Donc, je sais très bien qu'ils adorent aux légumes. En plus, c'est pour hamster, lapin et cochon d'Inde. Donc, ceux qui ont des lapins ou cochons d'Inde ou hamster, et ben, je vous conseille d'aller prendre parce qu'ils sont très bien pour eux. Ils ont beaucoup de légumes et ça, c'est très bien. Voilà. Par contre, je savais pas du tout le prix, mais c'est moins de 1 euro, c'est sûr. Après, j'ai pris des Haribo roulettes mix. En fait, vous savez, c'est les rouleaux comme ceci aux fruits et eux, il y a les nouveaux, c'est aux coco. Voilà. C'est bien, plus ils sont bons jusqu'en 2018, donc c'est trop génial. Et après, le petit chouchou qui est juste ici, c'est ça. Non, je rigole. En gros, c'est une boîte, mais vu que j'avais fait la vidéo, je pense que vous l'avez vu, mais je l'ai supprimée parce qu'il y avait une qualité de merde, mais vraiment de merde. Je suis désolée pour la vulgarité, mais c'était vraiment nul. Donc, je voulais vous refaire la vidéo. Et du coup, bah, le carton il est déballé, mais voilà à quoi ressemblait. Donc, c'est de la marque Vivora, hein, tous les produits. Enfin, il y avait deux produits dedans. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord, on va commencer par le parfum. Donc c'est de la marque Bijoura, mais elle est magnifique la bouteille, c'est un truc de fou. J'adore le bouchon en fait, regardez le principe. Moi j'ai cru que le truc noir il allait s'enlever, mais non. Il est trop transparent, il est trop beau. J'adore. Alors, un bouchon. Mais le pire c'est qu'il sent méga trop bon. Attends, je détale un peu. J'adore l'odeur. Je sais pas, je serais pas à vous la dire, mais ça sent le parfum, pas de femme, mais plus adulte, pas enfant, quoi. Moi, ouais, j'adore. Trop bon. Ça sent trop bon. Après, la marque Bijoura, il y a des body. Enfin, c'est un body. Pourquoi j'ai des body? En gros, c'est une crème hydratante, donc je l'ai toujours pas ouverte. Vous pouvez le voir. Je vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant, je vais pas m'en servir. Et voilà, mais elle est trop belle. Oh, j'adore. Et ça s'ouvre comme ça, mais là, c'est dur à ouvrir. Mais rien qu'avec le couvercle, ça sent trop bon. Et du coup, voilà la crème et en gros le lot qui était dans le carton. Donc, vous inquiétez pas, hein, il y avait ça avec. Ça pour les contenir, le parfum et puis la crème. Donc voilà, cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, likez. Mettez-moi en commentaire quel est votre produit préféré. Moi, mon produit préféré, c'est ces deux petits bébêtes. Ils sont des autres. Les gels, hop, et cela, et les bougies, et puis c'est tout, et puis les bonbons ronds, là, les petits. Je vous les amène, je les aime, ils sont là, voilà, excusez-moi pour l'attente, eux aussi, c'est mes préférés, ils sont trop bons. Abonnez-vous, je vous fais plein de gros bisous, je vais vous montrer le petit Père Noël, et on va se quitter. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le Père Noël avec les petits décorations. Cloche, nœud papillon et flocons qui sont là, juste ici. Et le Père Noël, trop bien fait. Mouah!